Allez, c'est parti pour la formule monôme, binôme, trinôme. Alors, monôme, un coup de revient. De revient. Donc, c'est du kilométrique. Donc, on appelle ça CRK. Donc, est égal aux charges variables plus charge fixe divisé par un nombre de kilomètres. Et ça vous donne le coût de revient kilométrique au kilomètre. Le coût de revient journalier. On appelle ça CRJ, qui est égal donc à la même chose, donc au coût de revient. Coût de revient total, hein, divisé par un nombre de jours. Nombre de jours. Le binôme. Donc le binôme, ce sont des termes kilométriques. Donc on appelle ça TK, qui sont égales aux charges variables divisées par le nombre de kilomètres. On a aussi le terme journalier, qui sont les charges fixes divisées par le nombre de jours. De jours travaillés. Voilà. Et pour le trinôme, donc le trinôme, terme kilométrique égale donc charge variable divisée par le nombre de kilomètres. Donc ça, c'est le terme kilométrique. Alors, nous avons conducteur. Le terme horaire. Alors, terme horaire, ce sera salaire brut plus charge sociale et patronale plus les frais de déplacement. Tout ça divisé par les heures, les horaires, donc soit en heures ou alors en journalier ou en jour ou en journalier. Ça vous donnera un terme, soit un terme à l'heure, donc le prix à l'heure, soit le prix jour. Donc ça, c'est le conducteur et vous avez aussi hors conducteur. Donc c'est tout le reste. Donc reste des charges fixes. Des charges fixes. Plus charges de structure. Structure. Tout ça divisé par heure ou horaire ou jour, journalier. Voilà, donc le trinôme avec le conducteur, il vous coûtera tant d'euros de l'heure, par exemple, ou tant d'euros jour. Et hors conducteur, donc c'est pour savoir vos charges fixes, vous coûteront tant d'euros par jour, ou tant d'euros par jour travaillé, ou tant d'euros de l'heure. Donc voilà pour le monôme, le binôme et le trinôme.